Bonjour et bienvenue sur imotele.net. Cette semaine, à l'Hôtel Meurice, pour la troisième fois, les trophées du logement ont été remis et cette année, en partenariat avec Imotele. Alors je vous propose de suivre avec nous la cérémonie. On y va ? Les lecteurs de Profession Logement ont élu Christian de Gournay, Cogedim, trophée du logement 2006, à la catégorie promoteur. Montez vers nous, venez, la marche est un peu haute. Je suis très heureux, au nom des lecteurs de Profession Logement, de vous remettre ce trophée. On va même vous remettre un micro. Bah écoutez, d'abord, merci beaucoup. Je suis un peu surpris. Et je crois que la première chose que je peux dire, c'est que c'est toute l'équipe de Cogedim que vous avez voulu honorer de cette manière et que nous sommes tous très honorés. Je crois qu'il y a plusieurs personnes de Cogedim dans la salle. Oui, j'en ai vu. La deuxième chose, c'est que personnellement, je suis très touché. Et très touché parce que probablement par rapport à la plupart de mes confrères, je crois que j'ai beaucoup moins d'heures de vol dans le métier de la promotion immobilière. C'est pas forcément à l'ancienneté. Et que le fait d'être admis dans l'aéroclub... des vétérans, si je puis dire, ben ça me fait un très grand plaisir. Et puis la troisième chose que je voudrais dire, c'est que j'ai beaucoup apprécié le fait que, outre la presse écrite, on commence à développer une télé par Internet. Je pense que c'est un très très bon média et un véhicule intéressant. Merci. Merci à vous. Merci et bravo. Et dans cette catégorie, les lecteurs de Profession Logement ont élu Christophe Kuhlmann, foncière des régions. Bravo. Un beau trophée. C'est une victoire. Écoutez, merci beaucoup. Et c'est vrai que je suis aussi surpris que Christian, je crois. Peut-être même plus que lui en fait, mais en tout cas je suis très heureux et je voudrais aussi partager ce prix bien sûr avec celui avec qui je travaille depuis près de 20 ans, c'est Charles Ruggeri qui m'a tout appris dans ce métier, aussi, oui. Et surtout dans le secteur du logement dont il est issu. Et je voulais simplement dire que pour Foncière des Régions, c'est le logement a toujours fait partie de nos activités et contrairement à d'autres foncières, d'autres investisseurs côté, nous avons fait du logement un outil important d'investissement et nous souhaitons continuer cette voie. Alors en France, en Allemagne, vous l'avez dit aussi, où aujourd'hui nous n'avons pas 40 000 mais 45 000 logements. Ah zut, alors c'est encore plus. Et près de 5 000 logements en France aujourd'hui et j'espère qu'à l'avenir nous arriverons à rééquilibrer la France par rapport à l'Allemagne. Eh bien, bonne chance, merci. Et pour remettre ce trophée, je vais appeler Philippe Pelletier, le président de l'Agence nationale de l'habitat. Alors les lecteurs de Profession Logement ont élu Thierry Smadja. Nexity Sagel. Bravo. Alors, puisque vous me donnez le micro, je dis juste un mot en remettant le prix à Thierry. Il est là pour ça, le micro. J'ai au moins deux raisons de satisfaction en vous remettant ce prix. La première raison, c'est que je vois année après année, avec admiration, se fabriquer une profession d'intermédiaire dans le domaine du logement qui font un lien utile entre les acquéreurs ou les locataires qui sont des particuliers non professionnels et ceux qui produisent les logements et qui ont déjà marqué leur professionnalisme. Puis le deuxième motif de satisfaction, mais ça vous le savez, c'est que j'ai pour vous beaucoup d'amitié. Très bien, alors remettez-lui quand même son trophée, Philippe. Voilà, voilà, un trophée du logement, oui, applaudissements. Bon alors, sans être flagornant, je dirais que l'hommage de Philippe Pelletier me fait au moins autant plaisir que le trophée, bon. Et c'est sincère. Ce que je voudrais dire, quand on passe troisième, c'est toujours difficile parce que
Mais non, mais quand non. Les gens ont dit « je suis surpris », eh bien, je peux vous dire que ma surprise n'est pas vaine. J'étais déjà très agréablement surpris d'avoir été nominé. Je me disais « c'est déjà pas mal ». Raymond Debye, qui m'accompagnait tout à l'heure, m'a dit « tu sais, quand on est nominé, déjà, c'est la reconnaissance de quelque chose ». Oui, c'est déjà beaucoup. Oui, bon, c'est vrai. Et c'est vrai. Alors, me retrouver ici, c'est très bien. J'avais prévenu mon fils que je n'aurais pas le trophée. Hein, parce que lui, il a 7 ans, donc il était très en attente par rapport à ça. Bon, la victoire de Samothrace, ça sera bien ce soir. Donc. La victoire est là. Alors, c'est vrai que chez Nexity Sagel, on milite, mais avec quelques autres. Et il y avait des concurrents de qualité. Je pense que, notamment, Stéphane Imovitch le mérite tout autant que moi. Il y a plein de concurrents de qualité. Bien évidemment, et tous les concurrents étaient de qualité. Mais c'est vrai qu'on milite pour une professionnalisation des intervenants dans le logement. On a fait trop souvent grief dans le logement de ne pas être des professionnels avec un grand P, alors que dans l'immobilier d'entreprise, c'était plus reconnu. Je pense qu'on peut faire quelque chose de très bien dans le logement. Et cette année, où notamment sur la vente par lot, on n'a pas été épargné par beaucoup de polémiques, souvent injustes, oui. Ça fait plaisir d'avoir une récompense. Merci. Merci à vous et bravo. Bravo. Les lecteurs de Profession Logement ont élu le quartier Saint-Martin à Montélimar Constructa. Sachez peut-être cette reconnaissance que j'ai été chercher aux États-Unis, c'était la vôtre qui m'importait et pour tout ça je vous remercie et aujourd'hui je suis profondément heureux enfin d'être venu parmi vous et d'être reconnu par vous. Cette opération, elle a aussi, elle est chère à mon cœur, d'abord parce qu'elle est avec nos vieux partenaires, avec Morgan Stanley au sein de Propria. Et puis, ça a été l'assemblage d'une jeunesse, mon fils Jean-Baptiste qui en est l'architecte, et puis Patrick Iliano qui en est le promoteur. Alors je dirais que pour les distinctions, les décorations, vous savez comment c'est, quand on ne les a pas, on les raille. Oui. Le jour où on les a, on est vraiment très heureux. C'est vrai. Et je vous en remercie infiniment. Quand on vous dit qu'il est passionné, merci à vous. Et pour remettre ce trophée des trophées, je vais demander à François Drouin, président du Crédit Foncier de France, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir et qui nous a fait l'amitié et l'honneur d'être le président de notre jury, de monter sur scène, de remettre lui-même le trophée, d'ouvrir l'enveloppe. Les lecteurs de Profession Logement ont élu Étienne Berthier du cadre. Il monte aussi. Allez, venez Étienne. François Drouin va vous remettre le trophée. Bravo, bravo. Je crois que la victoire de Samothrace, oui, c'est un assez beau symbole, oui. A trouvé une tête aujourd'hui, elle a retrouvé sa tête. Là. Bravo. Merci François. C'est marrant que ce soit toi qui me remette. Oui, t'as partial. Première. Sinon, on n'aurait pas bouclé l'OPA. On a fait une petite OPA ensemble sur le Quindus, là. Sans doute pour ça que ça s'est bien passé. Probablement, mais ça n'a pas beaucoup de rapport. Le vote. Oui, d'accord. Non, écoutez, un grand merci à tous. Je suis aussi très, très fier, Ricard est très fier. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire depuis 2 ans ? On a essayé effectivement de prouver que tous ces professionnels de l'immobilier pouvaient faire ensemble quelque chose d'un petit peu plus grand que ce que faisait chacun dans son coin. Et je pense qu'on est en train de le réussir au syndicat. Allez. Comme vous me... Victoire de Samothrace, le lauréat des lauréats, je pète un tout petit peu les plombs. Ah oh non, non. Juste un mot. Moi, je viens de l'électricité. Dans l'électricité, il y a des gens qui relèvent des compteurs, puis il y a des gens qui fabriquent des centrales nucléaires en Chine. Et personne dit que EDF, c'est fait de briques et de broc. Dans les cadres, vous avez des gens qui vendent des logements, qui font de l'agence de la gestion de copropriété, puis il y a des gens qui bâtissent des immeubles, ces métiers sont intégrés aujourd'hui dans ICAD. Et je crois que notre stratégie, c'est de montrer qu'il y a aujourd'hui un département immobilier, une industrie immobilière, et c'est ce que ICAD réussit. Pour ce qui concerne le logement, juste un mot sur le logement. Moi, je suis convaincu que l'année qui vient va être plus difficile, nettement plus difficile. Et donc, je termine mon petit topo en vous citant une phrase de mon compatriote de la Nièvre, Jules Renard, que j'ai déjà cité au comité de direction. Jules Renard, il y a des moments dans la vie où tout va bien, il ne faut pas s'en effrayer, ça passe. Merci à vous. Ça passera forcément. Merci à vous.
Restez avec nous. Je vais demander aux autres trophées de monter sur scène parce qu'on va faire la photo de famille. Je voudrais vous remercier tous d'être là ce soir. Remercier Marcel Ricard, le président de la FNAIM Île-de-France, Christian Nicole, directeur de l'Habitat de la ville de Paris, toutes les personnalités qui étaient là et qui nous ont fait l'amitié de venir partager avec nous ce moment. Je crois que c'est important que les professionnels du logement soient distingués, soient couronnés. Je crois que c'est vraiment un moment fort. Alors venez, messieurs les trophées, venez monter sur scène avec moi et avec François Drouin qui va rester. Voilà, on va faire la photo de famille et moi je vais vous souhaiter une très bonne soirée et puis on va faire un coucou aussi à tous les oui, on va enlever le merveilleux voilà, et puis on va faire aussi un coucou à tous les auditeurs d'Imotélé.net en leur disant que donc on a été très heureux d'être avec eux aussi ce soir et en leur disant à la semaine prochaine. Voilà, merci à vous et très bonne soirée. Et puis maintenant, on va pouvoir boire ensemble et partager. Merci.